Frère, nous allons beaucoup prier ce soir. Selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Frère, je suis toujours dans le même thème, les nouveautés divines. Et pour moi, ce n'est pas savoir qui est important, mais c'est vivre. Vivre. Que la chose puisse se passer dans ta vie. Et que réellement Dieu fasse de nouvelles choses dans ta vie. Tu peux dire amen correctement si tu es là. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous avons commencé à parler des entraves aux nouveautés de Dieu dans la vie de l'homme et particulièrement dans la vie du chrétien. Premièrement, nous avons parlé de la familiarité et l'esprit de familiarité. Et je vous exhorte, ne passez pas sur ces choses. Restez dedans et faites attention à ça. Gloire au Seigneur Jésus. Le dimanche passé, j'ai touché un autre point, le scepticisme. Et j'ai commencé à parler des causes du scepticisme, les choses qui amènent les gens à devenir sceptiques, à ne plus croire malgré ce que Dieu dit, malgré les promesses qui sont là, on ne croit plus. Bien, nous sommes là, nous sommes indifférents. Parfois nous sommes en train de faire les choses Mais dans la routine. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons continuer dedans ce soir. Le dimanche passé, j'ai pris 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 24. Jusqu'à 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1. J'ai dit beaucoup de grandes choses le dimanche passé. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La fois passée, le dimanche passé plutôt, j'ai parlé du temps que le problème a déjà duré. Ça a déjà beaucoup duré. Amen. Amen. J'ai parlé également des efforts que nous avons fait personnellement dans la recherche de solutions. Mais sans résultat. Si bien que finalement nous concluons que il n'y a plus de résultat. Ce soir, je veux toucher autre chose. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Rois. Chapitre 4. À partir de verset 8. Et après, nous allons prendre Luc chapitre 1. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Ouais. Un jour, Élisée passait par Sunem. Est-ce que je ne vais pas lire moi-même pour qu'on gagne du temps? D'accord. Ok. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha.
Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Soulignez-moi, son mari est vieux. Son mari est vieux. Que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Soulignez-moi ça. Et il dit, Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. C'est une dame honnête. Elle n'a pas fait semblant de croire. Elle dit non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. Verset 17. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, écoute-moi. Si nous allons rester dans un aspect de l'écriture, nous allons dire que cette femme a annulé son miracle par son attitude de scepticisme envers la prophétie de l'homme de Dieu. Déjà. Je vous ai parlé ici des exceptions à la règle de la foi. C'est ça qu'il a profité. Je sais que beaucoup ont déjà oublié ça. Ou bien, quelle est la première exception à la règle de la foi? La foi elle-même. C'est ça. On n'a pas besoin de foi pour recevoir la foi. Quand tu demandes la foi, tu n'as pas besoin de foi pour recevoir la foi. Si tu as besoin de foi pour recevoir la foi, tu n'auras jamais la foi. Vous me suivez? Une autre exception. D'une promesse, on n'a pas besoin de foi. Ok. Très bien, la récompense. Alléluia. La récompense. Alléluia. Et une exception à la règle de la foi. Dieu ne demande pas notre foi, et c'est ce qui a travaillé pour cette femme. Dieu ne demande pas notre foi pour nous récompenser. Non. Non. Il le fait à cause de ce que tu as fait. Et c'est ça qui a travaillé pour cette femme-là. Ce n'est pas sa foi. Elle est sceptique, elle dit non. Ne me trompe pas. Et pourquoi cette femme est sceptique? C'est ça, je veux vous toucher. Donc, pour que Dieu te récompense pour une œuvre
il ne réclame pas ta foi. Non. L'autre exception à la règle de la foi, c'est l'accomplissement d'une alliance. Lorsque tu es dans une alliance avec Dieu, Dieu ne réclame pas ta foi pour agir. Faut pas oublier ces choses-là. Alors, revenez ici. Cette femme est sceptique. Elle dit, non, mon Seigneur, âme de Dieu, ne me trompe pas. Mais pourquoi elle dit ça? Géasi a touché ça en haut. Géasi a touché la chose. Géasi a dit à Élisée, cette femme n'a pas d'enfant. Et il a ajouté en même temps, mais son mari est déjà vieux. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ressortir? La faisabilité de la chose selon l'homme. Est-ce que vous me suivez bien? Selon l'homme, humainement parlant, son mari est vieux. Ce n'est plus possible. La faisabilité est dépassée. Mais Élisée n'a pas écouté ça. Élisée dit, madame, malgré l'état vieux de ton mari, malgré que humainement la chose n'est plus possible, l'année prochaine, à cette même heure, tu vas embrasser un fils. Elle dit, madame, hey, s'il te plaît, pardon. Dis-moi autre chose. Et dans sa pensée, elle dit non. Je ne t'ai pas montré l'empressement parce que j'attends un enfant. Non, je t'ai monté de l'empressement à cause de Dieu. Et parce que je vois en toi un homme de Dieu. Non, je ne fais pas ça pour. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas en train de faire ça parce que j'attends quelque chose de toi, homme de Dieu. Mais à cause de mon Dieu, j'aime Dieu, tu es un serviteur de Dieu, et c'est pourquoi je te montre tout cet empressement. Frère, mais malgré son scepticisme, Dieu a fait la chose. Pourquoi? Alléluia. Si on tenait à la règle de la foi qui dit que sans la foi c'est impossible. Sans la foi, nul ne peut recevoir. Sans la foi, Dieu ne peut pas faire. Mais cette femme a posé des actes. Et Dieu tenait à la récompenser. Donc Dieu a mis de côté son scepticisme et a fait quelque chose dans sa vie pour la récompenser. Frère, ce que ta foi ne peut pas faire à certains moments, ce que ta foi ne peut pas gagner, ce que ta foi ne peut pas atteindre, ta relation avec Dieu, ton engagement, ce que tu fais, tes œuvres, comment tu prends les choses de Dieu, peut amener Dieu à faire certaines choses dans ta vie pour te récompenser. Parce que j'ai dit, Dieu nous récompense pour la vie que nous menons. Et Dieu nous récompense pour nos œuvres. Donc cette femme, l'enfant, le miracle qu'elle a reçu, ce n'est pas par rapport à sa foi. Et qu'est-ce qui faisait qu'elle ne croyait pas? Elle regardait à la condition de son mari. Son mari était déjà vieux. Ce n'est plus faisable. Et ça, c'est coup de joie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, vous savez, je réfléchissais moi seul à la chose tout à l'heure. Et je dis, nous inscrivons souvent Dieu dans l'intervalle de la faisabilité humaine. Toujours. Frère, même si nous sommes là à prier, nous n'y croyons pas. Nous mettons Dieu
dans notre intervalle humain. Nous croyons quand c'est faisable humainement. Dit à un enfant de Dieu que ce mal-là est incurable. Qu'il n'y a pas de remède pour ça. Même s'il prie, c'est dans sa tête quelque part là-bas que c'est incurable. Je vous dis, bonjour. Et si tu vas être sincère, toi-même tu le veux, tu vas affirmer que même si nous sommes là à prier, c'est comme nous sommes là comme Zacharie. Et on va lire ça tout à l'heure. L'autre monsieur sceptique de la Bible, il priait, servait le Seigneur. Dieu vient pour dire, écoute ta prière Josée. Le Seigneur t'a écouté ta prière. Ta femme va t'enfanter. Frère, lui-même a inscrit Dieu dans cet intervalle de la faisabilité humaine. Lui-même, pourquoi? Dans sa tête, il est vieux. Sa femme est d'un âge avancé. Et n'était plus en état de concevoir. Parce que la Bible dit ça. Donc il a inscrit Dieu dans cet intervalle-là. Pourquoi? L'homme a dit que ce n'est plus possible. Humainement parlant, ce n'est plus possible. Avec ce tableau, ce n'est plus possible. Avec les résultats, ce n'est plus possible. Avec les diagnostics, ce n'est plus possible. L'autre chose qui amène les gens, je vais te dire ça tout à l'heure, bien j'enchaîne. Qui amène les gens à devenir sceptiques, c'est les mauvais exemples et les comparaisons erronées. Les mauvais exemples. Parce que ça a tué Sago. On a dit que ça a tué Sago. Personne n'est jamais sorti de ça. Tous ceux qui ont eu ça sont morts. Tous ceux qui ont eu ça, ça a été fatal. Personne ne s'en est sorti. Et nous-mêmes, nous inscrivions Dieu dedans. Les comparaisons erronées. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, les gens ont dit. Mais les domaines. Que quand on a ça, c'est fini. Le médecin a dit, hein, il y a eu ça avec une femme qui a conçu tardivement. Dans sa tête, avec mon âge, je ne peux pas accoucher par le bas. Et nous, on est là à prier pour lui. Et le Seigneur ouvre les entrailles. Il est écrit. Elle est là tranquillement. Elle prend la tête sur la tête. Elle prend la prière sur la tête. Le médecin a dit. Un jour, pendant qu'on priait, quelque chose a parlé à moi. J'ai dit, sœur, qu'est-ce que tu veux? Il dit non. Le médecin a dit qu'avec mon âge là, il faut faire une opération. Priez que l'opération réussisse. Et nous on est là à transpirer sur sa tête. On citait Hébreux, on citait Ésaïe 66, on citait Ésaïe chapitre 1. La vigueur, la force, ceci, ceci, cela. Ouvre les entrailles. Amen. J'ai changé la requête. J'ai dit aux frères, nous allons faire selon sa foi. Prions que l'opération réussisse. L'enfant là est là aujourd'hui. Si nous on avait forcé, elle irait sur la table avec ce que le médecin a dit. Et non avec une foi. Frère, écoute-moi, enlève Dieu de cet intervalle-là. L'intervalle de la faisabilité humaine. Enlève Dieu de là. Son mari est vieux. Assoutons-moi. Et voici un disciple sceptique.
Un collaborateur sceptique. C'est pourquoi vous allez voir parfois quand Jésus fait certaines prières, il enlève certaines personnes. Il fait sortir certaines personnes. Pourquoi il connaît les sceptiques parmi eux? Les gens qui sont inscrits dans la faisabilité humaine. Et nous disons. Il les faisait sortir. Et il piochait deux, trois personnes. Il prend deux, trois personnes. Et nous aimons, oui, attends. Parfois, j'ai vu Jésus même une fois. Parce que la chose est très sérieuse. Il a pris seulement le monsieur le seul. Et il dit, viens. Il a amené loin. Loin de tout le monde. Hors de la ville. Pourquoi? L'isolé du scepticisme. Le monsieur qui n'a jamais vu. Jésus, là, la Bible dit, il a pris, il a tiré par la main. Oh, loin. Oui, donc Jésus, c'est à la tombe, c'est à parce que parfois, d'autres vont rester là. Ils sont en train de prier avec toi, mais ils n'y croient pas. Et quand ils ne croient pas, ils vont envoyer les hommes. Leur attitude bizarre. Et dans cette situation, ils vont leur parler d'eau. Tu vas sentir ça sur eux. En mode yéou, en mode de yéou, don wak mon yéou. Qui n'y croit pas? De koudi nou nan ou. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Do alléluia nous m'aider. Frère, je ne veux pas insister sur la récompense. Non, vi, n'jona tède de yin a tjoto nou m'en dia. Ce qui m'intéresse ce soir. Noué yin m'yon koun mi do fig badantion. Est que Dieu n'est pas dans l'intervalle de la faisabilité. Si vous prenez Marie, non, prenons d'abord Zacharie. Minitoze a quadré Zacharie ton. Luc chapitre 1, lisez-moi ça. Luc a si ouais mental nous comptons. À partir du verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient. Laisse-moi lire. Tous deux étaient juste devant Dieu. Frère, je veux dire à quelqu'un ici, ce n'est pas question de péché, ce n'est pas question de mauvaise vie. Non. Tu peux être juste, tu peux être intègre, consacré, zélé et tout. Et certaines choses vont se passer avec toi. Ça dépend du plan de Dieu sur ta vie. Tous deux étaient juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Irréprochable. Il n'avait point d'enfant. Parce que Élisabeth était stérile. Donc Élisabeth a eu un sinon. Et le sujet du scepticisme, vous me suivez? Bon, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mais où les bises c'est humainement parlant, c'est dépassé. Et cause où? C'est dépassé. Et cause où? Ah, verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, exactement comme je suis là ce soir, en train de prêcher, je conduis la prière, je tourne les yeux, je vois un ange dans le coin là-bas. Et c'est moi seul qui vois, personne ne voit. Et l'ange me parle. Pour Zacharie, go ahead. Go ahead. Correct. Malgré que ta femme n'a pas enfanté, tu n'as pas baissé les bras. Tu continues de servir le Seigneur. Malgré que ta femme n'a pas fait d'enfant. À cause de ça, tu n'as pas mis de côté cet commandement de Dieu. Il dit, go ahead. Ton temps est venu maintenant. Tes prières sont exaucées. Et le Seigneur fera quelque chose. Frère, Zacharie maintenant. Dion Zacharie. Regardez à l'âge avancé de sa femme. Il a regardé à son âge avancé. Il dit. Alléluia. Alléluia.
D'après les règlements, etc. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'aide du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie l'a vu, la Bible dit, il fut troublé. Amen. Il fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Maintenant lui dit Zacharie, ne crains point. Alléluia. Alléluia. Go ahead. Veille nous quand nous allons essayer. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Assitôt Elisabeth n'a dit. Tu lui donneras le nom de Jean. Bon, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Bon, mais car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et nous vivons et quand nous sommes. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Bon, si nous t'en si comment au gogo y est. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et dans Israël, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Amen. Ami. Zacharie ne voyait pas le Dieu qui a parlé. Zacharie soit le maoué de Romoéa. Mais il a inscrit déjà. Lo eko wazé. Parce que humainement parlant. Dodo beto kolio. Ce n'est plus faisable, c'est dépassé. Eko zewe nutonwe sorti joa. Mais Zacharie a déjà inscrit Dieu dans cet intervalle de la faisabilité humaine. Zacharie ko wazé maoudo nuokpe nuokbeto ton eneome. Je suis vieux. Nkopo. Ma femme est d'un âge avancé. Assitié de soi, quoi ton coin nous con. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir beaucoup qui compromettent leur foi. Parce que ils mettent Dieu dans cet intervalle-là. Mina mo megege beno ajagodo ise etondo eno zema udo tito ene o meutu. Alléluia. Alléluia. Le temps est déjà passé. We nu ko wayi. Le médecin a dit. Toto ledo. Ça s'est passé avec lui là-bas. Il ne s'en est pas sorti. Eh jokpo mendeko do leo ekpe ya. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Dieu ne dépend pas de nos possibilités. Je sais que tu sais ça. Dieu ne dépend pas de nos possibilités. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé quelque chose qu'il ne peut pas réparer. Dieu n'a pas créé quelque chose qui le dépasse. Les hommes ont créé la bombe nucléaire, mais aujourd'hui ça les dépasse complètement. Mais Dieu là, il n'a pas créé quelque chose qui le dépasse. Il n'a pas créé quelque chose qui ne peut pas réparer. Il n'y a rien dans ce monde qui échappe à son contrôle. Ta petite vie là, il n'y a rien dedans que Dieu ne peut pas faire.
Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Do alléluia nous m'aider. Gloire au Seigneur Jésus. Igonu akuno Jésus. Enlève Dieu de cet intervalle là. Dema aussi ti to gbetole ton eneume. Et tu verras. Bo anamo. Crois. Dinu. Et persévère. Bodo vivenu nu. Aux hommes cela est impossible. Eko glo gbetole. C'est les hommes qui sont dans l'intervalle là. Betole we do tito eneume. Mais Dieu n'est pas dedans. Amo ma we edeme an. Je dis Dieu n'est pas. Quand je suis vieux, ma femme est d'un âge avancé. Si tu es de soi, tu es de ta vie, tu es de ta. Pierre, à un moment donné, était sceptique. Peter, tu es de nous, et tu es de. La pêche miraculeuse de Luc chapitre 5. De Luc, si tu es de ta vie, tu es de ta vie. J'ai travaillé toute la nuit. Nkowa zosa obiwi me. Ça n'a rien donné. Et nantia. Mais arrivé un moment, il dit non. Et wa chewe denu edo eu. Je dois déposer cette pensée là. Ndona zenilie ni odai. Et avancer comme Dieu l'a dit. Bona inu kondidewe ma udoko. Frère, je te supplie ce soir. Nvewe gbadanti no vi. Dépose tes pensées. Benili twele dai. Crois en lui. Dinuni. Fais sortir Dieu de cet intervalle. De ma aussi tu tosué. Avance. Avance. Yinukon. Et bientôt. Tu verras l'impossible se passer avec toi. Ce qui est humainement impossible. Ce qui a dépassé la faisabilité des hommes. Si Dieu, le Dieu, ce Dieu-là que nous servons, ne peut pas faire ce qui est impossible aux hommes, frère, laissons tout le reste. Laissons ça. Toi, mange. Vis ta vie. Après, on va voir le reste. Oui. Écoute. Si Dieu est limité à la possibilité des hommes, en quoi il est Dieu? Il est Dieu en quoi? Il est Dieu en quoi? Et ne soyons pas comme Zacharie. Je sais que Dieu peut faire, ce n'est pas je crois que Dieu va faire. Non. Non. Nous sommes là. Milofia. Stand up. Qu'un clin bochité. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus. Nous allons prier. Et prophétiser. Décréter, affirmer. Chorale, 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 chorale. Soyez avec moi. Donnez-nous une bonne chanson qui va enlever quelqu'un de son corps. Hein? Une chanson qui va transporter quelqu'un. Sans. Jésus a changé mon histoire. Mon frère chante, lève tes mains. À haute voix, à haute voix, à haute voix. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Vis la chanson. Dieu peut faire n'importe quoi dans ta vie. Il peut faire n'importe quoi, n'importe quoi dans ta vie. Jésus.
a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il peut faire n'importe quoi dans ta vie. Ce n'est pas faisable. À la science, ce n'est pas faisable. Mais à notre Dieu, à ton Dieu, au Dieu en qui tu as cru, tout est possible. Tout est possible. Indéfini, tout est possible. Changer la vie de prière.
le nom de Jésus, Jésus, tu vas d'abord dire à Dieu, je sais et je crois ce soir, et je te redis, je confesse que tout est possible à toi. Je confesse que rien n'est impossible à toi. C'est écrit, je le crois et je confesse. Que rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Tu peux faire n'importe quoi. Et n'importe quand. N'importe où. Élève la voix, commence à confesser ça. Dis, je crois, je crois. Je crois. Et je confesse ce soir. Yes, parle. Je crois. Parle, confesse. Et je confesse ce soir. Dis-le. Que rien ne t'est en le confessant en haute voix, ta foi va monter. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Dis, je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Ce soir. Ce soir. Que rien n'est impossible à toi. Que rien n'est impossible à toi. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que tu peux tout faire. Que tu peux tout faire. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que aux hommes. Que aux hommes. Cela est impossible. Cela est impossible. Mais à toi, mon Dieu. Mais à toi, mon Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quand. N'importe quand. Et à tout lieu. Et à tout lieu. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que tout est possible à toi. Que tout est possible à toi. Parle à haute voix. Je crois et je confesse. Lève les mains vers lui, dis-le-lui. Que tout est possible à toi. Et lève ton cœur vers lui et confesse. Rien n'est impossible. Tu peux tout faire, tu peux tout. Tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Parle, parle, tu peux parle. Tout faire, Seigneur. En tout lieu et en tout temps. N'importe quand, Éternel. Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible à toi, Éternel. Je crois. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, dis, je crois et je confesse ce soir. Qu'il n'y a rien. Qui est sans solution. Avec toi. Élève la voix, confesse encore au nom de Jésus. Dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le, dis-le. Mon Dieu, mon Père. Je crois, je confesse. Je confesse. Je confesse. Je confesse. Qu'il n'y a rien. Qui soit sans solution. Avec toi. Parle, parle, parle. De holy, de holy. Je crois qu'il n'y a rien. Oui, oui, oui. Avec toi. Je crois et je confesse. Les hommes peuvent voir qu'il n'y a pas de solution. Mais toi, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas inscrit dans l'intervalle de la faisabilité des hommes. Confesse cela. Seigneur, je confesse. Dis-le à haute voix. Je confesse et je crois. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien qui soit sans solution avec toi. Jésus, je crois. Il n'y a rien qui soit sans solution pour toi. Je crois, je le confesse, Éternel. Mon Dieu, mon Père. Jesus name. Jésus, tu vas répéter avec moi. Mon Dieu, mon Père. Je crois et je confesse. Que pour toi, il n'y a rien de désespéré. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Rien, 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 rien. Rien, rien. Que pour toi, il n'y a rien de désespéré. Rien, 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 rien. Il n'y a rien de désespéré. Avec lui et pour lui, rien de désespéré. Je confesse et je crois qu'avec toi et pour toi, il n'y a rien de désespéré. Désespéré, alarmant. Il n'est alarmé par rien. Il n'y a rien de désespéré pour lui. Il n'y a rien de désespéré pour toi. Confesse ça, confesse. Je crois et je confesse. Confesse. Il n'y a rien de désespéré pour toi. Confesse, confesse. Confesse et je crois. Qu'il n'y a rien dans la main pour confesse, toi. Confesse, confesse, confesse. Je crois, je confesse. Confesse. Qu'il n'y a rien de désespéré pour toi, mon Dieu. Jésus, il n'y a rien de désespéré pour toi. Il n'y a rien dans la main pour toi. Mon Dieu, mon Père, je crois et je confesse qu'il n'y a rien de désespéré. Mon frère, parle. Il n'y a rien de désespéré pour toi et avec toi. Il n'y a rien dans la main pour toi et avec toi. Mon Dieu, mon Père.
Jesus' name we pray. Lord Jesus, come. Tu peux être un vaillant. Non vie à rien n'y a souka. Un héros. A rien n'y a souka. Spirituellement. Donc big bomé. Un conquérant. A rien n'y nous coïto. Mais il y a des moments. A mon wede l'en ou de yo. On a fait ça avec tous les grands sommes de Dieu dans la Bible. Mi moko gbeto nou kunde ji wewe o to mele big bomé. Ils étaient abattus. Ye wa koupe. Ils étaient abattus. Ye koupe bi. Désespéré. Mais quand ce moment arrive, ne laisse pas ça durer. Rapidement, ressaisis-toi. Élève tes pensées vers le ciel. Crois qu'il y a un Dieu à qui tu as donné ta vie. Fais-lui confiance. Et bientôt tu verras. Bon, ça arrive. Moi-même qui parle, j'ai connu plusieurs fois. Cette année-là, j'en ai connu. Désespéré. Parce que j'ai prié. Mais plus la chose semblait s'aggraver. Mais c'est dans les jeûnes de 30 jours là. Dans les jeûnes de 30 jours, 21 jours au début de l'année en janvier là. Que j'ai reçu un message de quelques mots, pas de quelques mots. Et c'est fini. La chose a changé complètement. La solution surnaturelle. Et quand je pense à ça, je dis mais comment Dieu, moi-même aujourd'hui, je dis mais comment Dieu a pu faire ça? Frère, lève la main. Rien n'est désespéré pour Dieu. Rien. Aucune situation n'est désespérée pour lui. Aux hommes, cela est impossible. Dieu n'est pas régi par notre temps. Il n'est pas inscrit dans le temps humain. Chaque moment est le présent pour Dieu. Dieu n'est pas inscrit dans notre temps. Il n'est pas inscrit dans nos possibilités. Je veux te dire, rien n'est désespéré pour lui. Alléluia. Frère, on va prier. Lève la voix, tu vas prier avec moi. Tu vas frapper et prier avec foi. On a déjà déposé le scepticisme. Tu vas prier, mon Dieu, mon Père. Toi à qui tout est possible. Accomplis dans ma vie ce soir. Et à partir de ce soir, tout ce qui a été humainement impossible, ce qui a été impossible par mes efforts, ce qui a été impossible par mes recours, ce qui a été impossible par mes moyens, ce qui a été impossible par l'assistance des hommes, mon Dieu, mon Père, ce soir, par ta puissance du miracle, accomplis cela dans ma vie ce soir. Accomplis-le dans ma maison. Frappe-moi et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, mets-toi dans la prière. Et prie. Mon Dieu, mon Père. Ce qui a été humainement impossible. Ce qui a été humainement impossible. Dans ma vie. Ce qui a été impossible par mes moyens. Ce qui a été impossible par mes moyens. Mes efforts, mes recours, mes luttes. Par l'assistance des hommes. Ce soir. Papa, fais-le. Accomplis-le. Prie et crois. Prie et crois. Fais-le, papa. Accomplis-le. Prie, insiste. Et à partir de ce soir, fais-le. Insiste, fais-le. Papa, fais-le. Seigneur, fais-le. Jésus, fais-le. Seigneur, fais-le. Éternel, fais-le. Jésus, fais-le. Tout ce qui était humainement impossible. Tout ce qui était impossible. Prie. Pas les recours humains. Pas l'assistance des hommes. Mon Dieu, mon Père. Présente ton cas, ton mari, ta femme, tes enfants.
tes affaires, tes activités. Fais-le ce soir. Là où il y a quelque chose qui soir. Semblait humainement impossible. Fais-le ce soir. Présente le cas à Dieu et prie maintenant. Fais-le ce soir, Seigneur. Jésus, fais-le ce soir. Pray, pray, Papa, pray, fais-le ce soir. Accomplis-le ce soir. Pray. Accomplis-le ce soir. Pray. Tout ce qui est quel que soit le temps que ça a duré, Dieu peut le faire. Quel que soit ce que tu as essayé dans le passé, Dieu peut le faire. Prie et parle maintenant à Dieu. Seigneur, accomplis dans ma vie ce soir. Parle. Pray. Jésus, ce soir, fais-le. Mon frère, presse de l'avant dans la prière. Accomplis-le ce soir. Presse de l'avant. Jésus, fais-le. Papa, fais-le. Seigneur, fais-le. Éternel, fais-le. Jésus, fais-le. C'est possible. Possible. Dieu peut le faire. Il va le faire. Fais-le. Accomplis-le, Seigneur. Jésus, accomplis-le. Seigneur, accomplis-le. Pray. Dans ma vie, Jésus, fais-le. Presse l'avant. Tout ce qui était humainement impossible, pas mes efforts, pas mes recours, pas l'assistance. Quel que soit l'état de dégradation de la chose, Dieu peut réparer ça. Jésus, fais-le ce soir. Papa, fais-le ce soir. Jésus, fais-le ce soir. Accomplis-le ce soir. Prie, avance. Avance. Tu seras surpris. C'est pourquoi il est Dieu. Oui, c'est pourquoi il est Dieu. Jésus, fais-le ce soir. Par la puissance de tes miracles. Fais-le ce soir dans ma vie. C'est pourquoi il est Dieu. Papa, fais-le ce soir. Prie. Fais-le ce soir dans ma vie. Accomplis-le. Frappe les mains et prie. Insiste. Ouvre la bouche et prie. Fais-le ce soir dans ma vie. Tout ce qui était humainement impossible, tout ce qui était humainement infaisable, mon Dieu, mon Père, accomplis-le ce soir. Fais-le ce soir dans ma vie. Tout ce qui était impossible dans ma vie. Ce que les hommes voyaient d'impossible, d'irréalisable. Ce que les hommes voyaient d'impossible. Dans ma vie, ô Père. D'irréalisable dans ma vie, ô Père. Fais-le ce soir. Fais-le ce soir, Éternel. Jésus, fais-le ce soir. Pray. Papa, fais-le ce soir. Jésus, fais-le ce soir. Papa, fais-le ce soir. Jésus, fais-le ce soir. Ce que les hommes voyaient d'irréalisable, d'infaisable. Dans ma vie, mon frère insiste. Mon Dieu, mon Père, fais-le. Jésus, fais-le. Toi qui rien n'est impossible. Mon Dieu, mon Père, je suis devant toi ce matin. Ce soir, prie. Accompli dans ma vie ce que les hommes voyaient d'impossible, d'irréalisable, d'infaisable. Papa, ce soir, fais-le. Jésus, fais-le ce soir. Fais-le ce soir dans ma vie. Réalise-le dans ma vie. Jesus, then we pray. Jésus, c'est comme un mi-holiday. Alléluia. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi. Alors, m'envoie. L'Éternel me transporta par son esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis. Seigneur éternel. Salala. C'est toi qui sais. Ouais, tu m'es.
Amen. Amen. Les eaux et papiers. Frère, représentez-vous la scène. Le pied est quelque part. La main est de l'autre côté. La tête est de l'autre côté. On n'a pas dit des squelettes. On a dit des ossements. Les papiers dans la vallée. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne l'a pas. Ne l'a, il dit. Il dit, regarde bien. Et donc, tourne autour. Vois ça correctement. Et dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que ça là, ça peut revivre? Et moi là, ton serviteur, malgré ton notion dans ma vie là, c'est toi seul qui peux dire ça. Alléluia. Alléluia. Et il me dit, prophétise maintenant. Parle sur ces eaux. Et dis-le. Ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À vous, os sec. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Puisque c'est moi qui ai créé toutes ces choses avant. Frère, nous devons Ce qui est usé, dis amen fort. C'est lui qui a fait ça avant. Et il peut le faire encore. S'il peut réparer les ossements. Il va réparer ce qui est gâté sur toi. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux se rapprochaient. Les eaux se rapprochaient. Les uns des autres. Frère, ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient éparpillés. Frère, la main d'un corps n'est pas allée se coller au pied de notre corps. La main qui est quelque part là-bas est venue se coller à son pied. Frère, quelque chose de synodal va se passer avec toi. Frère, sors de ton scepticisme. Crois Dieu. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Toi, tu es vivant. Tu es un squelette complet. Il y a la chair sur toi. Il y a les nerfs sur toi. Il y a tout sur toi. Pour elle, ce n'est pas le cas. Et Dieu dit, je vais vous recréer. Je vais mettre une chair nouvelle. Agbasa, il y a ton pavé de flemme. Agbasa, tu es pavé de flemme. Fique pavé de flemme. Et tu ne crois pas que Dieu dit que les ossements là, je vais vous rapprocher. Je vais mettre ta chair sur vous. Dieu peut refaire ta chair qui est là. Pourquoi tu ne crois pas? Qui peut refaire ton cœur? Laissez les ossements là avec le cœur. Non, nous adorons Dieu avec l'incrédulité. Il n'avait pas Dieu. Il n'avait plus Dieu, c'est les ossements. Tout le corps était pourri. Frère, nous sommes des croyants incrédules. Nous croyons le possible. Nous croyons ce qui est possible. Humainement. C'était désespéré. Humainement, rien ne pouvait plus se passer. Dieu dit, toi mon serviteur, mon esprit est dans ta vie. Est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer là? Il dit, c'est toi qui sais. Il dit, et Dieu lui dit, c'est toi qui vas parler.
Il dit, parle à la situation. Et donc, nous nommons. Prophétise. Dododai. Et décrète ma parole sur cette situation. Alléluia. Alléluia. Il dit. Edo. Amen. Amen. Il me dit, prophétise. Edo, mi dododai. Parle à l'esprit. Dohonu bigbo. Prophétise, fils de l'homme. Dododai, fig beton. Prophétise. Dododai. Frère. Novi. C'est ce que nous allons faire ce soir. Nous minablok badantione. Tu vas parler. Anadoho. C'est une situation. Doni nomedeji. Tu vas décréter la parole. Anadeho ba. Ce que Dieu a dit. Nwe maudo. Fais quelque chose. Dodeji yo. Et crois. Bodi nuna. D'abord. Moi j'ai certaines choses ici. Avant de rentrer dans les spécifiques. Tu vas dire à partir de ce soir. Répète avec moi. À partir de ce soir. Parle à haute voix avec foi. À partir de ce soir. Je crois. Je crois. Je décrète. Je décrète. Et j'établis. Et j'établis. La paix, la paix, la paix. La paix. La paix pour mon présent. Et la réussite pour mon avenir. Je crois. Je décrète. Et j'établis. La paix pour mon présent. Et la réussite pour mon avenir. Et frappe la main, décrète ça, affirme ça. Affirme, affirme, affirme. Et crois. Rejette tes inquiétudes. La réussite pour mon avenir. Dieu est le Dieu de ton avenir. Il est le Dieu de ton futur. Si je décrète la paix pour ma vie présente, la paix sans mélange, la paix dans ma maison, la paix pour les miens, je décrète la réussite pour mon avenir. Tout marchera bien. Mon frère, parle, décrète. Je décrète la paix pour mon présent. La paix pour mes miens, au nom de Jésus. Dieu dit, parle, parle, prophétise, parle. Pour mon avenir. Dieu dit, parle. Je décrète la paix. Parle à Jésus ce bas. Je décrète. Appelle l'esprit. Parle, 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 parle. Pour mon présent, je décrète la réussite pour mon avenir. Je décrète la paix pour mon présent, pour ma maison. Jesus, let we pray. Amen. Tu vas répéter avec moi. Je crois. Je crois. Je décrète. Je décrète. Et j'établis. Je à partir d'aujourd'hui. À partir de... Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas sans accomplir mes jours. Je ne mourrai pas sans accomplir mes jours. Je ne mourrai pas sans accomplir mes destinées. Je ne mourrai pas sans accomplir mes destinées. Élève la voix et décrète cela au nom de Jésus. Dis, je crois, je déclare et j'établis. J'établis la chose ainsi. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans accomplir mes jours. Sans accomplir mes jours. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans accomplir mes destinées. Sans accomplir mes destinées. Si la terre est vivante. Si la terre est vivante. Parle. Parle. Je crois. Je crois. Je décrète et j'établis. J'établis. J'établis la chose. J'établis que je ne mourrai pas jeune. Je ne mourrai pas sans accomplir mes jours. Au nom de Jésus, je crois, je décrète et j'établis. Mon frère, pas. Je ne mourrai pas seul. Je ne mourrai pas seul. Et crois ça, et crois ça. Je ne mourrai pas sans accomplir mes jours sur la terre des vivants. Je crois. Jesus, let me pray. Jésus, signe comme un miroir. Dis amen très fort. Lève la main, lève une main vers le ciel. Tu vas dire à partir de ce soir. Je le crois. Je crois. Je l'affirme. Je l'affirme. Et je l'établis ainsi. Je l'établis ainsi. Toutes les situations défavorables de ma vie soient retournées à ma faveur. Élève la voix et parle. Je crois. Yes, je crois, je crois. Je crois. Je décrète, j'affirme. Je décrète, j'affirme. Et j'établis la chose ainsi. Et j'établis. Ne manque pas de dire ça. J'établis ça comme ça. J'établis ça comme ça. Toutes les situations. Toutes les situations. Défavorables. Défavorables. De ma vie. De ma vie. Sois retourné dès ce soir. Sois retourné dès ce soir. En ma faveur. En ma faveur. Pas.
je crois. Frère, ne dis pas à Dieu de faire. J'établis. Prophétise, parle, décrète, affirme, établis cela. Et crois ça. Ne parle pas en l'air. Crois ça. Je crois, je décrète, j'établis ainsi que toutes les situations défavorables se retournent à moi, à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'établis cela ainsi. Toutes les situations défavorables se retournent à ma faveur. Soit retourné. Toutes les situations défavorables. Dans ma vie. Dans n'importe quel aspect. À partir de ce soir. Soit retourné à ma faveur. Parle avec autorité. Parle comme un prophète. Soit retourné à ma faveur. Je déclare, je crois et je décrète que toutes les situations défavorables soit retourné à ma faveur. Les situations défavorables dans ma vie. Soit retourné à ma faveur. Je crois, je décrète, j'affirme. J'établis ça ainsi. Je crois, je décrète et j'affirme. J'établis ça ainsi. Que les situations défavorables de ma vie. Jesus, now we pray. Jésus, comme si tu le crois, dis amen. Le ciel n'a qu'à entendre. Ne parle pas en les croix. Alléluia. Dieu nous donne l'ordre de le faire. Tu vas élever la voix. Tu vas dire je crois. Je décrète. J'affirme. Et j'établis la chose ainsi que ma vie va porter du fruit. Je décrète, j'établis que ma vie va porter du fruit. Ma vie va porter beaucoup de fruits. Ma vie va porter du fruit dans tous ses aspects. Tous les domaines de ma vie vont porter du fruit. Ma vie spirituelle, ma profession, mes activités, mes entrailles, mes affaires, chaque aspect de ma vie va porter du fruit. Et beaucoup de fruits. Du fruit surnaturel. Et élève la voix et proclame, affirme, prophétise maintenant. Je proclame, j'affirme. Mon frère, pas. Ma vie va porter du fruit. Je proclame, je prophétise, je déclare que ma vie va porter du fruit. Mes entrailles, mon travail, chaque domaine de ma vie. Mon frère, pas sur ta vie. Va porter du fruit. Pas sur ta maison, pas sur la vie de tes enfants. Prophétise sur la vie. Que la vie va porter du fruit. Ta vie va porter du fruit. Beaucoup de fruits. Ma vie spirituelle va porter du fruit. Du fruit en abondance. Mon ministère va porter du fruit. De manière surnaturelle. Mon frère, décrète, affirme, établis ça. Ma vie va porter du fruit. De manière surnaturelle. Mon ministère va porter du fruit. Mes affaires vont porter du fruit. Mon travail va porter du fruit. Mes entrailles vont porter du fruit. Ma vie spirituelle va porter du fruit. Beaucoup de fruits. Je prophétise. Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Les gens qui sont debout en train de regarder, Dieu est en train de rater une occasion. Ce n'est pas compliqué ce que nous disons. Dis, je décrète. J'affirme et j'établis. À partir de
aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que ma vie va porter du fruit. Mon ministère va porter du fruit. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. Du fruit de manière surnaturelle. Mes activités, mes finances. Ma carrière, ma vie professionnelle. Mes affaires, mes entrailles. La vie des miens va porter du fruit. Ma femme va porter du fruit. Mes enfants vont porter du fruit. Beaucoup de fruits. Le fruit de manière surnaturelle. Jesus, now we pray. Jesus, sing come and behold the day. Jesus, then we pray. Lord Jesus, sing, come and behold the day. Verse 2. Et pour oui. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je crois et je décrète. J'affirme et j'établis. Que plus rien ne sera impossible dans ma vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus. Parle. Parle, décrète. Établis la chose, crois ça. Crois ça. Dis-nous. Va avec cette prophétie. Je crois et je décrète. J'affirme et j'établis. À partir d'aujourd'hui. Rien ne sera impossible dans ma vie. Mon frère, parle. Hein? Je crois et je proclame. Je décrète et j'établis. Qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus impossible dans ma vie. Je crois. Et je proclame. Jesus, now we pray. Jesus, sing come and behold the day. Alléluia. Tu vas dire, je crois. Alors, dis-nous. Je crois. Dis-nous. J'affirme. Et j'établis. Que je suis gardé. Par la puissance de Dieu. Et par ses anges. Ma vie est hors d'atteinte. Et lève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle. Je suis gardé. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et par ses anges. Ma vie est hors d'atteinte. Parle. Je suis gardé. Tout ce qui est à moi est hors d'atteinte. Je suis gardé par la toute-puissance de Jésus. Jesus name. Maintenant. Personnellement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ta vallée, ce n'est pas peut-être ma vallée. Tu vas t'adresser à ta vallée. Allez, toi, telle situation. Deviens comme ça. Et j'attends qu'il y ait un. Et tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il en sera ainsi et je m'attends à ce qu'il en soit ainsi. Personnellement, si c'est moi, tu veux me changer en rouge. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, toi Paul, je veux que tu deviennes rouge. Tout ce que vous dites, vous allez dire. Oui, sans douter. Vous allez voir ça se passer. Nous croyons. Si c'est nécessaire. Ce n'est pas que tu es en train de t'amuser pour me changer en rouge. Si c'est nécessaire, et tu le dis, tu vas me changer en rouge. Oui, moi j'ai déjà vu. J'ai vu. Avec la prière, on peut modifier un homme. Oui, believe it. Si on ne peut pas le faire, donc, de l'autre côté, c'est bon.
La seule chose qui ne serait pas bon alors, c'est l'enfer. Parce que les gens du monde, peuvent te changer. S'ils disent aujourd'hui que tu ne vas pas marcher, et si tu n'es pas avec toi, tu ne vas pas marcher, ils vont te paralyser. Mais si nous, chrétiens, avec ce pouvoir, nous ne pouvons pas modifier quelque chose. Et nous subissons la vie. Dis, je refuse de subir la vie. Dis sa force, je refuse de subir la vie. Non, on ne va pas subir la vie. Frère, écoute. Amen. Moi, j'ai déjà eu la grâce d'amener quelqu'un à la foi. Il me dit, si je vais sur un arbre et je coupe l'arbre comme ça, et je fais des scarifications à un arbre, ça va sortir sur la peau d'une personne. Si le diable fait ça, non frère, changeons. Non, vimini Dio. Et c'est vrai. Bon, et c'est vrai. Et tu le verras sur ta peau. Et écoute. Dotomi. Moi. Je crois que Dieu est plus que tout ça. Parce que si une telle personne peut quitter tout ça et venir accepter Jésus, ça veut dire que c'est nous qui ne voyons pas. Mais lui là, il a vu que notre Jésus là est plus que tout ça. Il ne veut pas quitter pour venir. C'est nous qui ne voyons pas. Tu vas dire, toi, telle situation, toi, telle chose, à partir d'aujourd'hui, je déclare sur toi et je l'établis ainsi que tu te transformes en tel. Tu seras tel maintenant. Même si ça bouge n'importe comment, n'importe quoi, tôt ou tard, parle. Personnellement, je dis. Oui, parle à quelque chose. Toi, telle chose. Tu ne vas pas demeurer comme ça. Je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui que tu vas changer en telle manière. Tu vas changer de telle manière. Tu deviendras tel comme ça, comme ça, comme ça. Dis, j'établis ça comme ça. Je t'établis comme ça par la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Jesus, now we pray. Lève la main au nom puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, je décrète sur toi. Et il en sera ainsi. À partir de ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, il n'y aura plus d'impossibilité dans ta vie. Dans ta maison, il n'y aura plus d'impossibilité. Dans la vie des tiens, ton mari, ta femme, tes enfants, il n'y aura plus d'impossibilité. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tu crois, je crois, nous croyons que tout ce qui est humainement impossible soit éliminé au nom de Jésus.
Que cela devienne des témoignages de miracles. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne une victoire totale. Sur les méchants et les œuvres. In the name of Jesus. Tu vas témoigner de ses œuvres. Tu vas témoigner de sa grandeur. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Dieu fera de nouvelles choses. Il va ajouter à ses grâces dans ta vie. Mon frère dit amen très fort, je veux entendre. Dieu va ajouter à ses grâces. Il va ajouter à ses œuvres dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Jesus name we pray. Frère, demain. Non, je dis demain, vendredi. Encore sous un pays. Ne manque pas. Manque.